1954, ça, il ne faut pas oublier que c'est avant la Révolution tranquille, ça. C'est loin. Et à cette époque-là, on ne pouvait même pas imaginer qu'il y aurait une Révolution tranquille. Alors, la grande noirceur, là, semblait installée pour toujours ici. Le plus merveilleux rêve qu'un jeune pouvait faire à cette époque-là, c'était de s'enfuir à Paris. Parce que Paris, vu d'ici, c'était le lieu de la pensée libre. Hein? Ici, nous sommes dans une des cours intérieures du vieux séminaire de Nicolette. On se croirait dans les oubliettes d'un château fort. Et ça illustre très bien l'étouffement qu'un étudiant, en 1954, pouvait éprouver entre ses murs. 1954, ça, c'est la grande noirceur. Mais imaginez, c'était encore bien plus noir quand on était entouré de soutane noire, hein? Le régime d'un collège à l'époque, ça ressemblait un peu à celui d'une prison à sécurité maximum aujourd'hui. C'est pas peu dire. Levé à 5h30, messe à 6h15, couché 20h45. Et tout le restant de la journée était découpé comme ça. Les rares après-midi de congé se prenaient sur la cour, une cour qui était entourée d'une très haute clôture de broches. Alors, en tout temps, en tout lieu, nous étions surveillés. Alors, dans une telle atmosphère, moi, je rêvais d'évasion comme c'était pas possible. Et l'évasion, à l'époque, la seule, c'était la lecture. Mais la lecture était censurée. Le livre de poche, à l'époque, commençait à circuler un peu partout. Les chansons de Brassens aussi, je me rappelle. Mais le livre de poche, c'était pas facile, ça. Il fallait se rendre à Montréal sur le pouce pour aller en chercher ou en faire venir. Et puis quand on en avait un, il n'était pas question d'entrer au collège avec ça, là. Quand tu rentrais au collège avec un livre, il fallait que tu te rendes au bureau du préfet des études, qui, comme par hasard, avait toujours un air rébarbatif. Hein? Et là, lui, il lisait dans son catalogue de l'index pour voir s'il avait le droit de l'approuver pour toi. Et quand il jugeait qu'il avait le droit de l'approuver, il apposait son étampe dans le livre, et c'était étampé, là, approuvé par le préfet des études pour Pierre Châtillon seulement. Il n'était pas question de le prêter à un autre. Alors, dans ce contexte-là, on riait pas non plus. Le type qui se faisait prendre avec ce qu'on appelait un mauvais livre, il avait des punitions extrêmement sévères, et la plupart du temps, on le jetait à la porte, carrément à la porte. Tout ça pour dire que finalement, dans ce merveilleux contexte, c'est pendant les vacances qu'on se cultivait. Ici, j'ai essayé de reconstituer, maladroitement, j'en conviens, l'atmosphère d'une salle d'études du temps jadis. J'ai un pupitre comme celui qu'on avait. J'ai même revêtu un blazer avec un écusson comme ceux qu'on portait. J'ai même déboutonné ma chemise parce que ça, c'était un signe de contestation. Et puis, à l'époque, on était réduit malheureusement à lire souvent en cachette. Alors, à la salle d'études, on plaçait la grammaire grecque, authentique grammaire grecque, ici par-dessus les fleurs du mal, par exemple, beaucoup de papier. Parce qu'il ne faut pas oublier que dans la salle d'études, il y avait un pion qui était assis, là, un surveillant, dans sa chair surélevée, on pourrait presque dire son mirador. Là. Lui, il lisait son bréviaire tranquillement. Un coup d'œil continuellement, hein? C'était pas facile. Hein? Alors, on est obligé de faire semblant de travailler très fort, comme ça, là. Mégalé, version grecque, hein? Mégalé esti polis aï athénaïoï. Athénaïoï, la très chère était nue, et connaissant mon cœur, elle n'avait gardé que ses bijoux sonores. Et santo nergon curioï, curioï. Ça ressemblait un petit peu à ça, la façon dont on était obligé de travailler. À cette époque-là, je lisais Grandbois, les poèmes d'Alain Grandbois, et je savais que Grandbois avait fui le Québec pendant 20 ans, et je l'enviais comme c'était pas possible. Grandbois avait écrit « Je suis comme un désir figé parmi les îles de la nuit ». Un désir figé, c'était moi ça, quelle horreur! Et j'avais surtout pas envie de passer ma vie parmi les îles de la nuit. Moi, je rêvais d'aller dans des îles tropicales, pleines de fleurs, de parfums, de couleurs, aller jusqu'au fond de la Sicile, aller même sur l'île de Stromboli, voir le volcan Stromboli, monter sur le sommet du volcan Stromboli jusqu'au cratère, ce que j'ai fait plus tard, pour voir enfin un volcan qui ressemblait au beau volcan de vie qui voulait exploser en moi, puis aller jusqu'au fond du Maroc même, ce que j'ai fait plus tard aussi. Et
Je lisais les histoires extraordinaires d'Edgar Allan Poe et je me sentais emmuré comme ces personnages. Et le soir, quand nous montions en rang silencieux dans les corridors sombres, c'était sinistre. Parfois, j'hallucinais et je voyais le corbeau d'Edgar Poe perché sur une fenêtre et qui me regardait, qui me fixait comme ceci, qui disait « Croin, 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 nevermore, nevermore, tu t'enfuiras jamais d'ici, nevermore. » Et je me promettais bien un jour d'aller voir la maison de Poe à Philadelphie, et je lisais Rimbaud, je m'enivrais de sa révolte. Rimbaud qui écrivait dans la Bohème, « Je m'en allais, les poings dans mes poches crevés, j'allais sous le ciel, muse, et j'étais ton féal. Oh là là, que d'amour splendide j'ai rêvé. » Et moi, je me voyais à bord du bateau ivre de Rimbaud, mon petit bureau, qui tanguait. Oh là là, ça brassait, penchait tant autour, j'avais le mal de mer. Mais le mal de mer, un mal de mer littéraire, mais un mal de mer délicieux, parce que c'était le mal de mer de l'évasion. Et je me jurais d'aller un jour à Charleville, au village de Rimbaud, et de voir sa tombe aussi. Puis le collège, ben, c'était la plupart du temps décoré avec d'aussi jolies choses que des portraits d'évêques, des choses comme ça. Mais moi, si j'avais pu à l'époque, puis aujourd'hui je le peux, décorer à ma manière, voilà ce que j'aurais fait. J'aurais installé Rimbaud comme ceci, hein? Ça, ça aurait été beau. Alors, je vais continuer dans la salle d'études reconstituée à ma manière. Et puis, je lisais Tristan et Iseult, les merveilleuses légendes bretonnes. Je rêvais d'aller me promener un jour parmi les menhirs de Carnac. Et je lisais Racine, je voulais voir Versailles, je voulais voir des tas de châteaux. Je lisais Hugo, je lisais Apollinaire, je voulais voir les ponts de Paris, je voulais voir Notre-Dame de Paris, je voulais voir les gargouilles, je voulais monter jusque sur la toiture de Notre-Dame de Paris pour regarder Paris en bas comme je l'ai fait plus tard. Je lisais Sophocle, je lisais Euripide, je voulais voir les théâtres grecs, je voulais voir les temples grecs, je lisais Musset, je voulais voir Venise. Et je lisais Anna de Noailles, la grande poétesse, et qui avait écrit ceci, qui me fascinait à l'époque. « Ils ont inventé l'âme afin que l'on abaisse le corps. Mourante, je dirais qu'il faut jouir et vivre, qu'un moment du désir, qu'un moment de l'été contienne la suave et chaude éternité. » Et je me promettais d'aller un jour en Suisse, à Amphion, sur les bords du lac Léman, voir le monument et l'urne qui contient le cœur d'Anna de Noailles. Je lisais Giono, je lisais Daudet, je rêvais de me promener en Provence. J'avais la tête toute bourdonnante de cigales. Je voulais voir le moulin de Daudet. Et je m'étais procuré, en faisant venir de Montréal, encore une fois, des tout petits volumes de reproductions de peintres. Et j'adorais Van Gogh. Et je partageais son rêve solaire. Je voulais voir Arles, je voulais voir tous les endroits où il avait peint, et parfois, dans mon exaltation, je me coupais un petit bout d'oreille, le sang coulait sur ma version grecque. Je mettais des feuilles par-dessus pour pas que le pion, évidemment, s'en rende compte. Et je voulais voir la cellule de l'asile de Saint-Rémy-de-Provence, où Van Gogh avait été interné. Je voulais aller voir la petite chambre sinistre où il est mort, à Auvers-sur-Oise. Et parfois, le soir, dans les corridors sombres, je rêvais que je portais sur ma tête le chapeau de paille jaune de Van Gogh avec les chandelles allumées dessus et j'éclairais les plafonds. Oh, c'était extraordinaire. Puis je lisais Blaise Cendrars, l'homme foudroyé, qui parlait des gitans au Sainte-Marie-de-la-Mer. Puis je voulais aller voir les gitans au Sainte-Marie-de-la-Mer. Et j'y suis allé plus tard vivre parmi eux. Puis je lisais Lorca, Garcia Lorca. Je voulais voir l'Andalousie. Je voulais voir les palais mauresques de Grenade. Je voulais voir, c'est le cas de le dire, les châteaux en Espagne. Je voulais franchir les Pyrénées, comme dans la chanson de Roland, et je le ferai plus tard sur mon petit scooter. Je lisais Hemingway, Le soleil se lève aussi, qui parlait des corridas. Et je voulais aller à Pamplona voir des corridas. Pour l'instant, j'imaginais que les taureaux déferlaient dans la salle d'études, encornaient les bureaux. Et c'était merveilleux pour moi. Ils foutaient tout en l'air. Et je lisais Walt Whitman, le grand poète américain, le grand chanteur de la liberté. Et certains dimanches, puis je me jurais d'aller voir aussi sa tombe à Philadelphie un jour. Et certains dimanches, d'offices religieux interminables,
et de serments insupportables. Je rêvais, moi aussi, parmi les étudiants, que Walt Whitman s'avance dans le chœur, monte en chaire, prenne le prêtre qui était là, le descende et s'installe à sa place, avec sa grande chevelure blanche, sa grande barbe blanche de mage, et qu'il se mette à déclamer ses poèmes à la liberté dans la chapelle. Ça aurait été beau. Mes bien chers frères, j'ai dit que l'âme n'est pas plus que le corps. Je lave maintenant la fenêtre de tes yeux. Il faut que tu t'habitues à l'éclat de la lumière. Donc, à partir de cette heure, liberté. À partir de cette heure, je me débarrasse des limites et des chaînes imaginaires. Et c'est la grâce que je vous souhaite. Moi, j'ai eu cette chance absolument extraordinaire grâce à une petite bourse du Conseil des arts, un jour d'octobre, brumeux comme aujourd'hui, nuageux, de m'embarquer ici dans le port de Trois-Rivières sur un petit cargo allemand sur lequel il n'y avait que 12 passagers, tous des Allemands. J'étais seul, c'est faisait pas une grosse conversation, et ça a pris 12 jours pour traverser. Et en entrant dans l'océan, on a frappé un ouragan épouvantable. C'était très impressionnant à voir parce que c'était comme véritablement comme un mur noir qui s'avançait sur nous. C'était arrivé en l'espace de quelques secondes. J'étais sur le pont, les marins nous ont dit d'entrer le plus vite possible. Le temps d'entrer, on est tombé en bas des escaliers et tous les meubles sont partis à l'intérieur. Il n'y avait pas eu le temps de les attacher par en dessous, les chaises, les tables. Tout revolait sur les murs. Je suis moi-même revolé sur les murs. En entrant dans ma cabine, j'ai pris la porte, puis je suis revolé sur le mur. Et après ça, on s'était attaché dans nos petits lits, parce qu'on était deux dans la cabine. On s'est attaché dans nos petits lits, et puis là, on a été malade, évidemment, pour mourir. Et puis, dans les journées suivantes, j'ai réussi à me tenir debout, et je restais sur le pont, attaché, après la barre, là. Puis je regardais les vagues et c'était absolument grandiose. Après ça, je n'ai plus été malade du voyage. Mais les vagues ont continué pendant 11 jours, des vagues absolument immenses. Mais c'était un spectacle absolument extraordinaire. Et je me souviens dans la cabine d'avoir entendu craquer le bateau. Ça, c'était terrible. Parce que c'était un tout petit bateau. Hein. Et quand tu prends les vagues, ça cogne très dur quand ça arrive dans le fond de la vague. Et les craquements qu'il y avait à l'intérieur, là, j'étais très jeune. Et ça ne m'effrayait pas. J'étais ivre de départ. J'avais tellement voulu partir que même cet événement-là ne m'effrayait pas. J'en jouissais. Ça peut paraître curieux. Aujourd'hui, je trouverais ça plutôt pénible. Mais néanmoins, je savourais mon évasion. Et une fois rendu de l'autre côté, je me suis procuré un petit scooter d'occasion et j'ai enfin pu visiter tous les lieux dont j'avais tant rêvé. Et à un certain moment, je vivais sur le bord de la Méditerranée, dans une toute petite tente jaune-orange, minuscule, sur une plage superbe. Et le matin, quand j'ouvrais la toile de ma tente, je voyais le soleil se lever sur la Méditerranée. Et jamais de toute ma vie, je n'ai éprouvé une telle plénitude de liberté. Jamais. Et j'ai encore dans le nez, là, l'odeur de la toile de la tente. Et ça, pour moi, c'est l'odeur de la liberté. Et c'est ainsi qu'un jour de brume du mois d'octobre, il y a bien longtemps, je me suis embarqué ici sur un petit cargo et je suis parti sur la mer et mon corps est enfin allé rejoindre mon esprit et mon cœur qui, eux, étaient partis depuis longtemps en voyage grâce à mes lectures.